Allez, salut à tous les amis, c'est Long to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Civilization 5 en multi avec Yalemu, à toi la parole. Salut à tous les abonnés de Learn to Play, donc bienvenue sur le 21e épisode, je crois, j'en suis pas sûr. Oui, c'est exact. De Civilization 5 Brave New World, toujours en compagnie de Learn to Play. Yeah. Qui s'éclate et qui veut déclarer la guerre aux Japonais. Ouais. Alors que moi je suis pas chaud du tout. Ouais, bah en tout cas déjà petite précision, on espère que cette session se passera bien puisque hier et aujourd'hui j'ai eu des gros problèmes avec mon disque dur. Tu me laisseras encore deux tours que je puisse faire un cuirassé s'il te plaît. Péter un câble. Ouais d'accord. Qui s'est mis tout simplement à péter un câble, mon disque dur, oui, il a complètement disjoncté. Résultat, il était super lent et il était enfin il répondait limite pas du tout quoi, donc au final ça a été un peu la merde, j'ai eu peur. Ça se trouve j'ai peut-être raison d'avoir peur puisqu'elle va peut-être lâcher bientôt et j'aurai l'air con. Il y a des chances oui, qu'il lâche bientôt. Enfin non, il a qu'un an, je veux dire, franchement c'est assez rare quand même. Hein. Non, il est garanti 12 mois ou 12 mois ou 12 non, mois. Non, il est garanti de plus. T'es parti sur quoi comme recherche robotique? Non, attends, je suis pas du tout parti. Alors on avait dit quoi déjà? Balistique avancée hein, pour ouais, le balistique avancée, hein. Oui, carrément. Balistique avancée, allez. Voilà. 5 tours. Putain, j'espère vraiment que ça va bien se passer. Hein. Pff, allez, on n'y pense plus. Abri anti-aérien. Bon, je pense pas qu'à Rotterdam ce soit très utile. Par contre, je pense que je vais m'arrêter niveau unité militaire puisque j'ai plus que 3 de bénéfices donc ça va être un petit peu compliqué. Je vais plutôt faire des châteaux, ça va me porter de l'or. J'aurai bientôt plus d'uranium. J'ai une bombe nucléaire qui est en train d'être produite. Oui, c'est ça, Amsterdam. Moi je suis en train d'essayer de rempartiser au maximum mes villes. De quoi? Je suis en train de faire de rempartiser, oui, je fortifie en bref. Ah, je suis en train de faire des cuirassés, des lance-roquettes, tout ce qu'il faut pour essayer de résister à une invasion arabe. Ouais, si jamais ils t'envahissent, hein, c'est pas dit encore. Ouais, mais ils vont m'envahir, c'est sûr. Ah non, c'est pas dit. Hein. C'est certain. Certain, mon ami, c'est certain. C'est pas dit. C'est du sûr et certain. D'ailleurs, tu vois déjà mon général illustre déplacé. Je vais directement l'envoyer sur Nantes. Parce que je suis sûr que je vais en avoir besoin. Ouh, tiens, après, j'espère que d'ici deux tours, je vais pouvoir amener ce marchand-là sur le territoire de nos amis de Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Voilà. Mon espion à la Mecque a découvert que les Arabes complotent contre Genghis Khan. Ouais, bon, ça, de toute façon, on s'en fout. Parce qu'à chaque fois, il dit ça, mais bon, au final, ils font la paix deux tours après qu'ils aient déclaré la guerre. Bref. Oui, mais bon, ça peut toujours savoir être utile de se connaître les... Parce que, mettons, là, si je pactisais avec les... Arabes pour déclarer la guerre à Genghis Khan, il déclarait la guerre à Genghis Khan en bref. Oh, attends, désolé de te couper, je vais tester pour la première fois le transport aérien, donc c'est-à-dire grâce à mon réseau d'aéroports. Hein. Donc ça, c'est apporté avec le DLC, je suppose, Brave New World. Oui. On a la possibilité, bien sûr, de. Oh merde, mais là, c'est absolument pas avantageux puisque j'ai pas d'aéroport à Maastricht. Donc au final, ça ne sert à rien pour l'instant. Vous voyez, moi, maintenant, j'ai un aéroport à Cardiff. J'ai un aéroport à Cardiff, à Douglas. Moi j'en ai un à Rotterdam. Je peux directement. Ouais, pareil, moi j'ai un Nijmegen. En fait, je peux directement héliporter donc mes unités si ouais, j'en ai envie. Moi aussi, pareil, sauf qu'il faudrait que j'en fasse un à Arnhem. Du coup, j'ai que Nijmegen, Groningen, Haarlem, enfin des provinces proches de la capitale quoi, donc c'est pas très très avantageux. Faudrait que j'en fasse un à. Bois-le-Duc, bien sûr, Bois-le-Duc. Bois-le-Duc, quoi, bon, hein. Je veux dire, y'a rien à dire, Bois-le-Duc, c'est Bois-le-Duc. Je veux dire, il me fera toujours rire en prononçant ce nom-là. Je veux dire, c'est très connu, Bois-le-Duc, je vois pas ce que tu veux dire, hein, bon. Ah, c'est Bois-le-Duc, hein, de par chez nous. De par chez vous uniquement, alors, hein, parce que chez moi, c'est pas connu, hein. Ah non, j'ai l'impression que les marchés, ça sert à rien, c'est un truc de fou. Ah ben ça rapporte 2 or par tour, c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est la masse quoi. C'est marché plus bourse. Non, 3 or moi ça me rapporte. Oui, 3 or par tour, oui exact. Ouais mais j'ai l'impression que ça se rajoute pas. Ou alors c'est au prochain tour, je sais pas. C'est possible, je ne sais pas. Bon, tu m'as dit que je suis... Allez, moi je passe le tour. Combien de tours déjà je te laisse? 2 tours. Ok. On fait comme ça l'ami, on fait comme ça.
Bon, par contre, comme vous le savez sûrement, si vous avez regardé les épisodes d'avant, on a fait la technologie satellite, donc on va éviter de se balader sur toute la carte pour se taper toutes les vieilles textures. Bien sûr. Alors. Complètement d'accord. Faut laisser un petit peu charger. Waouh, je suis à 1. Ah oui, je suis dans le malheur, j'avais pas fait attention. Je suis à 1 de malheur, hein, toujours. Ici, que tu vas faire. Campement barbare ouvert. Fais un port. Oh là là. Il faut attendre toujours un petit peu là que ça charge. Ouais, ben moi ça charge encore la Marie première et les barbares. Oula, mais en fait, moi, en fait, je me rends compte, je suis hyper en avance sur toi. Mmh. J'ai un cuirassé là. Je vais. Ouais, je vais quand même rester proche de mes ports, pardon. Oula, 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 oula. De mes ports, disais-je. Rotterdam, j'ai rien à faire. J'ai plus de bâtiments à construire, c'est chaud. Enfin, à part des trucs dont j'ai pas besoin, quoi. La prairie. Bon, ben, moi, je suis prêt à donner l'assaut. Hein. Un comptoir commercial, s'il te plaît. Tu me diras quand tu seras chaud. Hein. Alors ici, tu m'as fait un comptoir commercial, toi, c'est parfait. On va aller en faire là-bas aussi, le comptoir. Ah oui, tiens, bah ici, tu peux faire une... Oh, j'ai un lustre. Un quoi? Un marchand illustre. Ah, bien joué. Ou un illustre bien joué, marchand. Bien joué. Alors, en démographie, je voulais voir 123 millions. Jean-Guy, 123 millions. Tu peux pas test. Tu ne peux pas test, tout simplement. Je suis quasiment à 80 millions. Seulement. Putain, 40 millions. Oh la vache, putain. Mais en fait, même en me rattrapant, j'ai creusé l'écart, comme je disais sûrement... L'épisode d'avant. Oui, tu l'as déjà dit au moins une centaine de fois. Oui, c'est vrai, ouais. Donc, tour suivant, on fait. Attends, je finis mes trucs d'abord, moi, là. Hein, je sais pas comment tu fais, moi, je vais à fond. Hein. Ouais, en même temps, c'est vrai. Allez, que... j'ai beaucoup de villes, moi, à gérer. Je commence oui, à avoir un paquet tasse de villes à gérer, donc. Ouais, bah, moi aussi, regarde. Oh, qu'est-ce que t'insinues, là, hein. J'insinue que t'es un branleur, pourquoi? Oh, la masse de marché que tu m'as fait, là. Moi? Ouais, de comptoir, pardon, pas de marché. Ah ouais, non, là, c'est la masse, là, à un moment... Ah, hein, il faut redresser le déficit, hein. Faut redresser le déficit, Où vas-tu aller, toi, petit ouvrier? Petit ouvrier, où vas-tu aller? Où est-ce que ça manque encore de comptoir? À part là, ça manque de comptoir, là. J'ai une vieille chanson dans la tête. Eh, hey, t'as plein de pétrole, que t'exploites pas encore. Et pourquoi t'as ton stade dans la flotte à Berry Swift? Ah, sympa, j'aime bien le concept, le stade barque. Intéressant. Le stade barque, c'est nouveau, ça vient de sortir ou de pourrir, faut voir. Ça vient de pourrir. Et ça vient de pourrir, tout à fait, oui. Je gagne 9 fort par tour. Et c'est le GG, t'as gagné la Coupe du Monde. Bon bah ça tombe bien. Pourquoi je perds des citoyens dans toutes mes villes? Comment ça tu perds des citoyens? Non, je plaisante pas encore, bientôt. Oh, tour de radiodiffusion, prochain tour, tu passes le tour? J'ai envie de voir ce que ça donne. Oui. Attention, aussi, attention, préparez-vous, donne, préparez-vous les gars. Mais j'ai encore plein de trucs à construire. Non, ici je veux des unités militaires, s'il te plaît. Je veux des unités militaires. Je veux allez, des unités balance militaires. Balance, 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 toi. Un cuirassé, s'il te plaît, mon ami, parce qu'ici on va certainement avoir besoin de grosses défenses là. Grosse défense. Bon. En fait, ouais, j'étais là. Mais putain, mais en fait, oui, c'est ça que je chante. Je me disais dans ma tête. Bella, bella, bamba, se necesita una poca de gracia. D'accord. Una alors... poca de gracia. D'accord, alors la tour de radiodiffusion, pour moi ça ne m'apporte rien. Je perds moins 17, moins 14. Et je suis toujours dans le malheur, c'est normal. Oh, tu c'est t'es. What? Oh, tu t'es fait couiller par la Russie? What? Mais non! Oh, tu t'es fait couiller par les Russes! Mais non! Oh, c'est épique, épique! J'ai 13 de malheur! Ah, mais merde, en fait, on... Oh putain, non, ça c'est dégueulasse par contre. Oh, t'imagines tout ce qu'on allait avoir. Putain, je perds du fric. Oh putain, je suis deg.
Oh non, putain. Session en cours, qu'est-ce qu'on vote? J'en ai aucune idée. Pour l'instant, j'ai une fouille archéologique qui a terminé. Embargo Japon. Embargo Japon, non? Embargo Japon, bien sûr. Quoique, je crois que j'ai des... Oui, t'as des accords avec eux. Non, j'ai pas des accords, mais j'ai des caravanes avec eux. Créer un artefact. Bon, finalement, je vais peut-être faire site d'héritage culturel. Alors, moi, je veux abroger l'embargo Japon. Contre, il faut être contre abroger l'embargo Japon. Hein. Bah, je m'en fous. Moi, j'ai mis héritage culturel. Nanana. Bon, alors, pour mon cuirassé, j'améliore bien sûr bombardement niveau 2, c'est-à-dire puissance de combat. Alors, plus 33% à marée première a pris fin. Et visée 2. Gajamada a pris fin. Plus 15% contre les unités navales, d'accord. Ah, mais les Russes, je vais leur déclarer la guerre. Hein. Oui, t'inquiète pas, on ira les défoncer après. Oh lol, d'un coup j'ai gagné. Putain, la vache, ça fait de l'or. Hein. Wouah, c'est bien les porcs en fait. Hein. Ah oui, c'est bien les porcs. Les porcs, vieux porcs. Bah, tiens, d'ailleurs, je vais acheter un bateau atelier. Le petit bateau atelier. 130. Ah d'accord, direct moins 12. Il est comme ça le bateau atelier. Direct moins 12. Alors, j'avais pas une marée première avec Gajamada. Hein. Donc j'ai de l'uranium, je possède exactement 3 d'uranium pour l'instant. En surplus, je veux dire. What? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a fumé le bambou, ma première. Pour sa ressource de la baleine, elle veut du marbre au-dessus, des pierres précieuses, mais je te l'ai dit, du charbon, du pétrole, je te l'ai dit. Mais oui, mais je te l'ai dit. Mais va te faire mettre. Mais voilà, qu'est-ce que je te disais depuis tout... Enfin, depuis... oui, depuis qu'on joue. Hein? Tu me faisais pas confiance. Bah maintenant, tu comprends ta douleur. Non, décidément. Eh, mais le mec, il veut plus me filer ses ressources. Eh, mais moi, je suis dans le malheur. Eh, je vais avoir des émeutes. Hein. Ouais. Je vais avoir des émeutes. Eh, tu vas avoir des émeutes. Gajamada aussi, c'est le prochain à qui je déclare la guerre. Allez, Rachid, sois concilié avec moi. Rachid. Alors, Rachid, tu veux. Rachid, il a tout déjà, je peux rien lui filer. le japonais, il peut rien me filer Rachid, non plus. Rachid, il a tout, tu vois, tu peux pas tester. Rachid a tout. Mosaic Muta, il a tout. Mosaic Muta. C'est qui Mosaic Muta? C'est l'Aztec, ouais. Bismarck, il a tout. Ah, je suis dans la merde, moi là. Je suis dans la merde. Hein. Catherine de Russie, elle a. Base militaire, c'est bien ça. Catherine de Russie, elle va se faire foutre. Odora, Byzantin, il a tout. Plein de tout plaît, viens à mon secours. Jamais. Teinture contre des baleines, d'accord. C'est un échange équitable pour toi, ça te fait gagner 150% de bonheur. Ah ouais? Ah ouais? Je suis passé à 3 de bonheur. Moi je suis à 7 de malheur. Ah ouais ouais, c'est vrai que... ça va être dur. C'est vrai que c'est dur pour toi. Hein. Grave. Et là le mec il veut déclarer la guerre en plus. Le pire c'est que là le mec il veut déclarer ouais, la guerre parce avec que moi, je peux, le dernier partenaire commercial qui me reste. Hein? Parce que moi parce tu que vois... si on regarde... Moi, la diplomatie peux, moi. Parce que moi je suis un pimp tout simplement. Portail ici, diplomatique. Construire... Historique des accords, on peut voir qu'avec l'Arabie j'échange du vin contre du sucre et du cuivre contre des pierres précieuses. Ça veut dire que si le mec il déclare la guerre au Japon, mais je suis à 35 de malheur. Ah bon? Oui. T'es sûr? Bah je suis obligé de toute façon. T'inquiète pas, ça va pas durer longtemps. Je vais abréger leur souffrance, t'inquiète pas. Qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce les que Japonais fais, moi mourront ce soir. Vous portez 3. Oh, je vais faire un sous-marin nucléaire ici, hein. Allons-y ah, gaiement. Ah, j'ai hein. Une bombe nucléaire prête au prochain tour. Donc 3 bombes nucléaires dans leur face, au Niak. Toi, tu vas faire... Sachant que Kyoto est complètement au milieu de la map, ça va être tendu. Putain, c'est quoi toutes ces villes fantoches? Erfurt. C'est une ville allemande, ça, Erfurt. Oui, elles ont été prises, hein. Ah ouais, putain. Et ouais. Ah ouais, ouais, les Allemands ont perdu une partie de leur territoire, hein. Les Portugais sont allés loin, mine de rien. Ah oui, les Portugais. En fait, ils ont toute la côte nord et il y a même des ressources de pétrole qui sont pas exploitées. Ah ouais. Enfin, je crois. Ah non, quoique, je sais pas, en fait. Bref. Bon, ben, les amis, encore désolé, mais on refait le tour des villes, là, pour essayer de grappiller un maximum d'or. Ah, voilà, bon, il va encore nous compris. Faire chier là. Non, c'est ça. Non mais il y en a mieux repéré là quoi. Hein. Repéré. Bon. Toi t'as trop de bouffe de toute façon. Tu vas me faire de l'or ici s'il te plaît. Alors dans 3 tours balistiques avancés, on va enfin pouvoir faire des missiles. Alors missiles guidés, je suppose que c'est missiles nucléaires.
Non. Oui. Ah non. Non, mais c'est guidé uniquement. Unité peu coûteuse pouvant être utilisée pour infliger des dégâts aux villes. Ça c'est bien. Mais ce ne sont pas. Ah si, missile nucléaire, pardon, excuse-moi. Il y a missile nucléaire et missile guidé. Libère l'enfer nucléaire. Ah mais ça prend deux uranium. C'est plus meurtrier qu'une bombe nucléaire alors. Ah largement, là ça rase une ville. Ah bon? J'aurais pensé le contraire. Ah pratiquement. Oui, enfin peut-être parce que missile nucléaire c'est plus avancé effectivement. Ça rase tout pratiquement une ville. Non non mais ouais c'est. Ça me paraît plausible. Bon tu. Ramsey, pas d'or à trouver là, Inverness. Allez de l'or s'il vous plaît là, j'ai besoin d'or là. Mes amis, je veux de l'or. Tout ce que je veux, c'est un tout petit peu d'or, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, un petit peu d'or, quoi. S'il vous plaît, un petit peu d'or. Bah, tu vas croître, hein, au lieu de faire la coune, là. Limerick, apporte-moi de l'or, Limerick. Y'a pas d'or, à Limerick. Swansea. Toi, t'as de l'or, Swansea. Ah non, il a pas d'or, Swansea. Attends, qu'est-ce que j'ai vu là? Masse de comptoirs que tu me fais. Mais en fait, t'as viré plein de fermes, je parie. Oui. D'accord, putain, mais la masse de... Oh, c'est vrai qu'en regardant sur YouTube, il y a pas mal de gens qui font ça, hein. Ils font que des marchés quasiment, quoi. Saint-Yves, il y a pas d'or à Saint-Yves. Putain, j'ai du mal, hein. Pas d'or à Saint-Yves. Tikal, allez, Tikal. Tikal, il y a de l'or à Tikal. Ah, mais j'ai pas de bouffe à Tikal. ouais, du coup, t'as plus rien à Tikal. Puisque je t'ai chauri toutes tes fermes. Tikal, il a pas d'or à Tikal. Brest, il a de l'or, Brest. Ouais, mais Brest, je vais pas lui faire ça, il a plus de bouffe sinon. Bon, tu passes. Non, je passe pro. Tu passes bon, pro. D'accord, je passe le Comment tour. Ça, tu passes pro. Il passe pro. Oh, tu passes pro. Vas-y, passe pro. Je passe le tour. Il passe pro, quoi. Il passe pro. Il est sérieux. J'ai passé le tour. J'ai passé le tour. Non, mais tu passes pro. Eh, mais la Russie, je t'avertis. Ouah, le territoire passé. Russe, ouah, il est à moi. Ouah. Oula, putain, moi 78, 3 de malheur. Ouah. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'accord stipulant que Yanamu. Que, attends, que nous devions fournir de l'ivoire et Yanamu a pris fin. D'accord, c'est... 27 de malheur. Vas-y, file-moi des pierres précieuses, je te file de l'ivoire, tu vas voir que ça va descendre. File-moi des pierres précieuses, Jackie. Jackie, te démonte pas, Jackie, tout va bien. Et en fait, c'est la merde. Bon, vas-y, balance des pierres précieuses. Donc, je perds 115 d'or. Ah d'accord. J'ai 27 de malheur. Mais passe-moi des pierres précieuses, je te filerai de l'ivoire mon. J'ai tous mes accords qui sont tombés. Ah oui d'accord. Mais vas-y, mais balance. Résolution promulguée, site d'héritage culturel. Ah, l'embargo sur le Japon a été promulgué, donc on va pouvoir nouveau échanger avec le Japon. Ah merde, j'ai fait une connerie. Ouais, t'as fait une connerie toi. Non. Bref. qu'est-ce que tu me veux toi? Route. Tac. Putain, c'est loin. Hein. Wouah! C'est quoi la route précédente? Je sais pas, mais je t'ai envoyé une proposition d'échange. Tu peux l'accepter, s'il te plaît? Deux secondes. Tu peux mais j'ai une route commerciale plus lucrative ici. Bon, ça va te plonger dans le malheur, mais tu peux l'accepter, s'il te plaît? Ouais. Bam! Attends. Attends, debout, faut que j'enlève tout ça, bah tac. What? Non mais tu es sérieux là? Je suis à 27 de malheur et tu veux déclarer la guerre à l'Arabie, hein. Oh putain, je me suis fait un peu couiller quand même, je suis merci, à 1 putain. De malheur et Je suis redescendu à 9 de malheur. Ah bien, je perds quand même de l'or, hein. Du coup, mes échanges, portail diplomatique, historique des accords. Il me reste encore un échange. Bon, bombe atomique terminée. 375. Il faut que je perde des unités parce que là je perds de l'or, hein, et je suis dans le malheur en plus. Ah ouais, mais moi il faut que j'arrive à trouver d'argent, hein. J'ai pas le choix là. Faire un don. Là j'ai pas le choix là. Marée première. Mongolie, allez, Mongolie. Je crois que si j'exige du coton, il me le donnerait. Je prends guerre avec tout le monde, moi je m'exige conneries. Du coton. Bon, allez, par contre là, t'as fini ton cuirassé là parce que j'aimerais bien. Balancer la guerre là, parce que faut qu'on le fasse, hein. Faut arrêter de tarder là, hein. Je vais juste tomber encore plus dans le malheur, est-ce que aussi je ne pourrais pas remonter? Mais oui, mais je veux dire, on peut pas attendre. Tu vas plonger ma civilisation dans la déchéance. Je m'en fous. J'y vais. Enfin, pas maintenant, mais. Bah vas-y, fonce. Tu vas pas alors? Si. Tu vas, t'es sûr? Ouais, attends, je fais d'abord toutes les constructions, les machins. Oui, parce que j'ai trop d'unités là, faut que je les envoie. C'est un peu horrible de dire ça, mais
Vous avez dénoncé le Japon. Hein? Ah! T'as dénoncé le Japon? Oui! Le mec, tu sais qui. Non, mais le Japon, voilà! Vous avez dénoncé la. Le mec, il dénonce tout le monde, tu sais. Ah, je dénonce tout le monde, vous puez! Ah bon, tu la déclares ta guerre ou pas? Si, je vais faire une centrale nucléaire, tiens. Attends deux secondes, je construis juste les. Bases militaires. Choisir construction. Putain, pourquoi il y a des ports là? J'entends des bruits de ports. Encore une construction. Ah bah tiens, un aéroport. Bon, il me faut là il me faut m'en sortir là, je sais pas comment je vais m'en sortir mais il y a du sucre là, du sucre, j'en ai pas du sucre. Ah merde, attends, j'ai encore une construction. Leonidas, tu restes là s'il te plaît, mon ami hein. Voilà. Bon, je leur déclare la guerre. Je t'ai préparé le terrain, mon ami. Attends, je sauvegarde hein parce qu'on est oui, des gros couards. Oui. On est des couards nous. Donc c'est oui. Quoi? C'est multi 24. Même, ça suit pas les numéros d'épisode. Hein, t'inquiète. Pas grave. Hein. Puisqu'il y a les interludes en plus et tout. Donc évidemment. Allez, c'est parti. Hein. Donc comment je fais? Je balance tout, j'attaque quoi en premier? Je leur balance une bombe nucléaire? Attends, je vais le faire. Non, c'est bon, j'en ai, attends. Bon bah vas-y alors, balance une bombe nucléaire. Mier. Je suis pas sûr que tes unités ne soient pas touchées. Je peux aller loin. Oh oui, par non, contre, non, au niveau de Sio, je suis pas sûr que tes unités ne soient pas touchées. Hein. Si, attends. Bah, c'est simple, si tu perds un bazooka, ils seront touchés. Non, je pense pas. On verra. Attends, c'est quoi ça? Mais hé, il y a des bazookas, mais pourquoi je vois pas l'icône? C'est bizarre. Ah, peut-être parce que c'est encore dans le brouillard. Bon, j'envoie sur Sio ou juste à côté? Genre, tu sais, genre sur le comptoir qui est derrière, ça fera quand même des dégâts à la ville. Ah, ça fera des dégâts, c'est sûr. À la ville aussi, oui. Ça, pour faire des dégâts, ça va faire des dégâts. Moi, je te le dis, ça va faire. Du coup, je balance, hein. T'es prêt? Non, mais c'est pas grave. Ah, vas-y, hein, là. 3, là, de toute façon, moi, deux, je suis dans contre, la déchéance ouais, la plus totale. Je vais hein. Perdre de l'or. Heureusement que j'ai 6000 dans mes coffres. Bon, bah, go, hein. Adieu, monde cruel. C'est dommage, j'ai été sympa cette partie, hein. Boum! Voilà. Du coup. Oh, je perds moins d'or, étonnamment. Bon, passé à 15 de malheur. Ils ont pris très cher. Ils ont pris très très cher. Du coup, est-ce que mon hélicoptère de. Ah ouais, putain, les bazookas, c'est sévère hein, dans ce jeu. Hein. Bon, nous, on va bombarder Basra parce que du coup, on a déclaré la guerre à Arunur al-Rashir. Et on a également déclaré la guerre à Zurich. Heureusement, c'est à Kuala Lumpur que je foute mon marchand illustre. Un bazooka en moins. Est-ce que le comment ça le cuirassé peut pas attaquer l'hélicoptère de combat peut pas attaquer les bateaux? Boum. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je dis boum. J'ai eu un gros freeze. Ah mais c'est parce que t'as balancé une bombe nucléaire? Oui. Où ça? T'en passeras. Ah d'accord. Ah oui, je me demandais aussi c'était quoi ce petit freeze. Quel était ce petit freeze? Mais les hélicoptères de combat ne peuvent pas attaquer les bateaux. Ah bon? Ben non. Ah, je savais pas. Oh, je suis deg. Alors, est-ce que le sous-marin nucléaire... Ouais. Wouah, ça fait des bobos. Bim, un bateau en moins. Donc j'envoie tout. Hein. Ils ont du lance-mi... Oh putain. Oh, ils ont été abîmés, les pauvres. Oh, t'es sérieux? Mais je suis stupide! Mais quel idiot! Putain, je viens de perdre un hélicoptère. Enfin, je l'ai pas encore perdu, mais je vais le perdre stupidement. Oh, j'ai fait une grosse connerie là. J'ai attaqué un truc anti-aérien là. Avec un hélicoptère. Tu vois la boulette? Je vois très bien la boulette, oui, comme d'habitude. Est-ce que tu vois la boulette? Pourquoi je peux. Ah mais ok, mais l'hélicoptère peut même pas survoler la mer en fait. Ah je savais pas ça. Enfin tu sais il va en bateau. C'est cool ça. Putain j'ai tellement d'unités, c'est nawak. Pas survoler là. Pourquoi je peux pas survoler? Bon, je vais user un peu de mes hélicoptères de combat mais c'est pas grave. Hein. J'ai tellement pas de place. Voilà, j'ai acheté un bazooka, les amis. Hein. Bon, écoute, moi vous je peux passer pourquoi, le tour. Je pense.
Non mais moi, de toute façon, moi là, je suis mort, hein. Je passe le tour. Tour suivant, chers amis. Bon, bah, c'est l'invasion, hein. Bah, là, franchement, les Japonais, je vais leur rouler dessus, hein. Je te le dis sincèrement, je vais leur rouler dessus. Parce que vu le temps qu'ils... Enfin, s'ils mettent du temps à tout ramener, je vais leur capturer au moins 3 villes, hein. T'as 15 de malheur. C'est pas grave. Tu peux gérer... voilà, gère juste tes rébellions. Et voilà. Alors, putain, il est passé vite, le tour. Oh, ils m'ont balancé une bombe nucléaire, les salauds. Fallait s'y attendre, hein. Ah putain, Maastricht, elle a pris cher. Ah ouais, j'ai perdu... Oh, j'ai perdu 6 habitants. Oh, et mon cuirass... Ouah. Ah merde. Ah merde. Regarde en dessous de Suo, tu vas comprendre. Qu'est-ce que t'as fait? Regarde la flotte. Ah ouais, carrément. Putain, mais merde. Oh, j'ai perdu 6 citoyens. Attends. Oh, du coup, je gagne 57 d'or. What the fuck. J'ai perdu 3 unités. Du coup, je suis repassé à 124 millions. Par contre, ils ont 4 aéronefs basés. Ils ont 4-0. Je sais pas ce que c'est, mais à mon avis, c'est pas bon. Où ça? Ah ouais. T'inquiète pas, je vais leur envoyer une bombe nucléaire. Ils vont comprendre. Attends, alors. Comment? Putain, mais lol. Oh, j'ai un marchand illustre. Oh, bah tiens. Toi, tu vas pouvoir aller faire une mission commerciale. Putain, bah du coup, toi, tu vas pouvoir décontaminer, hein. Oh la vache. Bon. Du coup, ils ont ramené du people. Mais du coup, je vais balancer une bombe nucléaire sur leur bateau, là, parce que regarde ce qu'ils amènent. Ah bah oui, tu peux balancer une bombe nucléaire sur leur bateau, oui. Ah, après, j'ai mes... Ils sont mes bombardiers. Par contre, d'abord... Oh, il m'a pété mes deux bombes atomiques. Ça, c'est ballot. Et tous mes bombardiers. Putain, merde. Ah, ça, c'est con, par contre. C'est ballot. Ça, c'est très ballot. Ça coûte combien de bombes nucléaires? 800? Bon. Ben, je vais devoir dépenser, hein. Je suis obligé. Oh, putain. Putain. Ah ouais, il m'en faut une, hein. Ah, j'achète une bombe nucléaire, je suis obligé. Hein. Ça m'a coûté cher, mais... Mais c'est pas grave. Désolé. Merci beaucoup. Oh, putain, c'est la merde. Excuse garçon, je suis là-dessus moi pour l'instant, d'accord? Merci. Bon, ensuite j'en suis où? Toi, tu peux pas bombarder ça. Pas attaquer non plus, bien sûr. Bah tu sais quoi, tu vas te poster là, puis tu vas attendre de voir ce qui se passe. Ramène sur notre gueule, d'accord? Non. Et putain, je laisse pas le choix, en hein. Plus, il a la masse de bombardier, quoi. Oh, mais sérieux, les Marines, comment ça? Non, mais c'est n'importe quoi, faut arrêter, là. C'est n'importe quoi, les dégâts qu'ils font. On est d'accord. Ah ouais, confirme. Débarrasse, hein, de toute façon, je suis... Cardiff, tu vas me refaire une bombe nucléaire, s'il te plaît, parce que je pense que j'en aurai besoin. Ah putain, tous. Oh. T'as pas un truc pour le bonheur par hasard? Moi? Ouais. Non, pas trop là. Si tu veux, je me bloque moi-même, donc. Ah oui, je peux piller. Ah oui, c'est vrai que ça me fait de l'or. Ah oui, mais ça je m'en fous, ça je m'en fous. Vient de passer dans l'air atomique le japonais. Je sais, j'en ai parlé. Ah, mais ils ont été détruits par l'usure. Comment ça par l'usure? Mes bombardiers ont été détruits par l'usure? C'est quoi cette connerie? Il est.
Par contre, je suis dans le bonheur et du coup, je gagne de l'argent. Est-ce normal? Moi, je suis dans le malheur le plus total. Mais j'ai perdu 6 citoyens quand même. Hein. J'essaie de faire des os, j'essaie de faire ce genre de conneries parce que du coup, je les avais un petit peu minimisés, heureusement. J'essaie de remonter la pente, mais je pense pas y arriver. Hein, votre hélicoptère de combat dégâts 2 a été bombardé par Sio. En se défendant, l'une de vos unités a été détruite. Oh putain, j'ai perdu gavé d'hélicoptères de combat en fait. Je les ai tous perdus. Ah, ce sont des choses qui arrivent. À part un. Du coup, j'ai récupéré. Oh bah, Sio, t'as balancé une bombe nucléaire sur les sous-marins là? Bah non, puisque j'en ai plus. Faut que je l'ai acheté, mais je pourrais l'utiliser au prochain tour. Ah oui, t'es mal toi. Bah, du coup, je vais l'utiliser au prochain tour et ça va leur faire bobo quoi. Sauf qu'au niveau des bateaux, c'est pas trop ça quoi. A ton avis, il faut que je maxe les cuirassés ou les. Comment ça s'appelle les sous-marins? Je sais pas. Comme vous le voyez, les gens, moi je maxe la défense. Hein. Je suis dans la merde là. Enfin, je suis dans la merde, non. Mais je vais avoir des problèmes quoi avec la flotte qui va me bombarder. Donc là, je suis obligé. Il y a des chances. Je vais acheter des remparts. Hein. Ah ben, si t'en as la possibilité. Je vais acheter... comment on fait déjà pour améliorer encore plus? Ah, c'est tout. Château. Oui, j'ai deux bonheurs. Bon, par contre, j'ai plus 4800. Mais au moins, j'augmente la défense de ma ville. Ben moi, là, je viens d'augmenter. J'ai acheté une bombe nucléaire parce que j'ai eu une mission commerciale, bien heureusement. Qui est arrivée entre deux. Ah ouais, du coup, moi aussi, je vais avoir une mission commerciale. Ça va me faire plaisir, là. Ouais, moi ça vient de me faire grandement plaisir là. Du coup j'ai acheté ce qu'il fallait quoi pour essayer de me défendre parce que là sinon là. Espérons qu'ils aient pas d'autres. Qu'ils n'aient pas pardon d'autres bombes nucléaires. Hein. Bon mais moi je peux passer le tour. Faut que je produise d'autres bombes nucléaires. Bah tu peux les acheter toi. Ouais non mais ouais je préfère les. Enfin ouais. Attends, Raiden. Disons que moi j'ai balancé sur Basra une bombe nucléaire pour faire diversion quoi tu vois. Il faut que je produise des bateaux ici, je pourrais en faire. Je me suis pas fait une flotte assez conséquente là. Bah je t'avais prévenu hein. Ouais mais en fait ces bateaux ils ont débarqué d'un coup en fait. Ah bah bien sûr, ils sont à côté, hein, ils sont pas loin. Hein. Voilà quoi. Putain, mais encore une construction. Tu vas me faire une centrale nucléaire. Tour suivant. Oh, du coup, il y en a plein qui sont enthousiastes là. On essaie ouais, de leur demander de déclarer la guerre. Essaye, moi je cherche les ressources de luxe. Comment on fait allemand là? Comment je fais? Discuter ou exiger? Discuter. Déclarons-nous la guerre à... Je dois refuser. Ah merde. Ah le Portugal! Ah oh, bah oui. Déclarons-nous la guerre à... Je crains que cela ne soit pas dans l'intérêt de mon empire. Oh tu fais chier! Bon garçon, j'ai réussi à redescendre à 11 de malheur. Bien joué. Bah, oh là là, mais c'est pas possible. Toutes mes villes ont arrêté de croître, c'est absolument l'enfer. Bah go, hein. Allez, tour suivant, tu l'as voulu ta guerre, tu l'as eu, hein. Ah bah oui, je m'en fous, là, c'est... Fallait bien que ça arrive, hein, de toute façon. Le truc, les Allemands vont pas tarder à m'envahir, moi je m'en fous, c'est ta faute, hein. Les Allemands? Les Arabes. Oh, ça va. D'accord. Hein. Bon, alors voyons voir. Oh, il m'en a balancé une deuxième. Il te l'a balancé où, la deuxième? Pareil, au même endroit. Maastricht? Ouais. Il va la rater ta ville. Hein. Non, non, elle résiste. Mais du coup, j'ai perdu ma bombe atomique que j'avais achetée. Bah bien sûr, il t'a les envois, c'est que t'as les bombes atomiques. Hein. Waouh. Swansea, c'est où, Swansea? Je vais essayer... Après avoir pris Suo, je vais déclarer la paix. Il y a un cuirassé portugais à Swansea chez moi et là, histoire de tout réparer et de décontaminer le truc parce que là je gagne plus que 7 heures.
Marie première vient de te déclarer la guerre en fait. Oh non! Mais elle est sérieuse? Mais elle vient de m'envahir en plus! Mais elle est en train de m'envahir! Non mais attends, je vais lui déclarer, je vais essayer de faire la paix, attends. Je peux pas. Pourquoi elle m'a déclaré la guerre l'autre conne? Vous le sentez les gens, le chargement de la sauvegarde là? Est-ce que vous le sentez? Pardon. Désolé. Attends, pourquoi elle veut négocier la paix, elle veut pas? Parce qu'elle vient tout juste de déclarer la guerre. Oh putain. Je vais bon bah c'est bien, tu... Garçon, tu peux acheter des unités sur Zupfen, Amsterdam, La Haye, Utrecht, Nijmegen, Groningen, Haarlem, tu peux acheter des unités partout là, tout en or va y passer. Ouais. Attends, mais alors. Bah, ben moi je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce que j'achète mais... alors? Qu'est-ce qui est bien? Mais oh. Laisse-moi. Qu'est-ce que je peux racheter comme unité pour le contrer? Quelle idée? Un missile nucléaire? Ah bah oui, du coup on a découvert les missiles avancés. On part sur quoi? Laser? Robotique? On part sur quoi? Laser? Ou robotique? Pour l'instant tu m'excuses, je suis en train d'essayer de me battre en mer, tu vois, donc... Bon allez, laser, moi je mets. Putain, si t'es... Mais ils nous ont tous déclaré la guerre! Ils nous ont tous déclaré la guerre! Tous! Ça, je t'avais prévenu, hein. Putain. Il m'a tout détruit, le salaud. En fait, il a une armée de tarés, hein. Ça va pas être si simple que ça. Ah ben, je t'avais aussi prévenu. Oh, mais ça va, Sio, je vais la prendre en un tour. Je vais essayer de négocier la paix juste après. Espérons qu'il me chauffe pas mon marchand illustre. Bon bah toi, t'as plus qu'une chose à faire, c'est aller tout réparer, décontaminer. Bon, alors déjà. Oh putain. Non, t'es pas sérieux? Pourquoi je peux pas la prendre? Je peux pas la prendre! Attends, comment ça se fait? Pourquoi je peux pas la prendre? Oui, je suis sur la 10 de malheur. Amen. C'est bon, j'ai la ville. Annexer la ville. Je suis passé à 2 de bonheur, je perds de l'argent. J'ai la ville, est-ce que je peux leur négocier la paix? Attends, moi j'ai pas fini de faire nos la guerre. Nos comptes sont loin hein, d'être réglés. Le mec va pas me lâcher. Bon, par contre, je peux rien acheter, super. tribunal. Toi tu vas rester là, ma fille. Tribunal. Toi aussi. Où toi là? T'as plus d'armée, toi. On va retourner ici, comme ça je retourne à 9 de malheur. Oh. Pouah, je vais peut-être arriver à récupérer Cork. Depuis le temps. Putain, ça va être tendu, hein. T'avais prévenu, hein. Et Maastricht, oh là là, elle a pris cher. Oh, putain, je vais devoir tout réparer. Putain, ici, faut que je fasse quelque chose. Faut que j'achète une. Une bombe atomique ici. Non, un missile. Putain, un missile nucléaire 1200. Ah ouais. Sauf que là, ça va lui faire bobo ou pas le missile nucléaire? Hein? Si je pouvais en savoir quelque chose. Juste ce truc. Je vais essayer un missile guidé, ça coûte 300. Putain, je vais devoir... Oh là là, tout l'or que je vais dépenser.
Ah ouais, non, mais là, c'est la Bérézina, hein, je te le dis franchement. Avec son tank qui va me saouler. Moi, c'est bien simple, je ne produis plus que des unités. Je suis redescendu en 11 de malheur parce que j'ai dû bouger des unités afin de pouvoir arriver à contrer un petit peu les effluves de tout ce genre, de tout ce beau monde-là. Ici, là, il m'a pillé du poisson au niveau de Ramsey, donc je suis dans la merde. Ici, j'ai encore du poisson. Je pense que je vais faire un char. Hein. Ça s'en occuper avant de partir en guerre, Saverne. Je vais faire un char. Arsenal ici, s'il te plaît, toi. Du coup, à Groningen, je vais. Je sais pas si t'as vu, mais t'as les Portugais à niveau de Rotterdam qui sont en train de t'envahir aussi. Je vais faire un canon anti-char. Ici. Au niveau de Rotterdam? Ah ouais, mais j'ai un cuirassé. Ouais, enfin, c'est pas avec des frégates qui va. Bah dire. Si, ça fait mal les frégates à force. Ah par contre il me bloque. Ah bah non, je l'ai défoncé en un coup. Hein. Je vais le démonter le pauvre, il va rien piger. Ben voyons. Bon par contre tout mon or y passe. Hein. Ah bah là, moi j'ai pas d'or à la base donc... Allez-y, j'en fais des os. Hein. On avait terminé la balistique avancée. Sur quoi on part? Attends deux secondes. Là, je suis occupé deux secondes. Hein. On part sur les tactiques mobiles ou les lasers? Je suis parti sur laser, moi. Je vois ça. Ah ouais, Kuala Lumpur nous a déclaré la guerre aussi. Ouais, mais ça, c'est pas. Alors, attends, qui c'est qui nous a déclaré la guerre là? Moi, je suis curieux. Mais tout le monde quasiment. Donc, Théodora Catherine vous a déclaré la guerre. Les Citaliens à Genghis Khan Marie Première vous ont déclaré la guerre. Ah, Genghis Khan Marie Première nous a déclaré la guerre. Une révolte a éclaté chez moi, d'accord. Ouais. Putain, mais quand il va me ramener tous ses bateaux sur la tronche, ça va faire mal. Hein. Donc avec qui nous ne sommes pas en guerre? Nous sommes pas en guerre avec Maastricht, l'Indonésie. J'espère qu'elle va résister. Putain, avec je vais Mosek devoir Mouta, tout Bismarck. Réparer. Putain, je vais leur envoyer des missiles. Bon, ça va être tendu les gars. Et pour l'instant, je suis content. T'es dans le malheur toi ou pas? Oui, je suis dans le malheur. Oh, j'ai combien de malheurs tu as? J'ai plus que 3 routes commerciales. Ah ouais, moi aussi, les routes commerciales, j'en ai plus. Hein. Ah oui, parce que l'autre connasse, elle m'a déclaré la guerre. Bah, tout le monde nous a déclaré la guerre, gars. Oh merde. Je crois qu'ils ont formanté une alliance contre nous, Lurn. Mais merde. En bref, je crois qu'on est dans la merde, Lurn. Sinon, les Arabes, ça va ou pas? Tu gères? En fait, t'aurais dû venir m'aider. Parce qu'en fait, toi, ils mais sont. Parce que moi, en fait. Ils sont... Non mais, Lurn, les Arabes, et je me suis reculé pour essayer d'aller prendre Cork, je sais pas si t'as vu. Pourquoi? Pour aller prendre Cork. Ah d'accord. Reprendre ma ville, tu sais, à la base, là-haut, là. D'accord. Ma ville avec son poisson, son cuivre qu'il me faut impérativement pour le moment malheur, etc. quoi. Ah, il va me falloir des bases. J'ai pas pensé à la marine, sérieux. J'aurais dû. Bon, on va voir un peu comment écoute, ça se... Toi, tu vas rester là, mon ami, parce que on voilà. On va voir un peu comment ça se déroule. Et puis. Bon, y en a, on les verra jamais, hein. Mais. Disons qu'on est mal, là. Là, le sou, ils ont plus que 3 citoyens. Heureusement que tu l'as pris, celle-là, quoi. Alors. Y'a 6-0 à Shinomoseki. Y'a quoi? Moi, si j'étais toi, je ferais gaffe. Des zéros, des avions de chasse, en bref. Ah. Donc, fais gaffe à ça. À IC, je pense que tu vas pouvoir la prendre avec l'armée que tu as, quoique les bateaux vont te faire royalement chier. Ah, mais ils peuvent te reprendre la missiles, ville. Je vais et Maastricht est en train de tomber, hein, juste comme ça. Non, mais t'inquiète, elle va résister. Maastricht est un destroyer. Mais je le déboîte en un tour. Il va pas réussir à me le. Elle est trop, trop, trop puissante. Il peut pas la choper. On verra. On va voir. Merde, du coup, j'ai perdu. Ah oui. Là, je sais pas quoi faire comme unité. On va refaire un char. Bon allez, on va voir ce qui se passe. Hein. Au pire, on a la sauvegarde. Hein. Ouais, comme ça, on peut apprendre de nos erreurs. Mais là, le boulot monstre que je vais avoir. Putain, mais tous les citoyens que j'ai perdus, mon Dieu, c'est une... Mais c'est la guerre. Hein. C'est la guerre, c'est normal. Allons voir le portail de la démographie, les gens, s'il non, vous plaît. De la démographie. Bah oui, je veux savoir combien d'habitants t'es tombé. Bah 125 millions. Hein. Ah ouais, c'est tout. Wow! Oh, oh putain, j'ai été bon.
Ah putain, oh, le nombre d'informations, je comprends rien. Putain, Maastricht, ouais. Maastricht, elle a eu mal. Une unité a été éliminée ou je sais pas quoi. Oh là là, une unité a été éliminée, une unité a été éliminée. Oh non, mon marchand illustre. Oh l'enfoiré, putain. Bon, en fait, elle est à zéro, Maastricht. Je peux la réparer ou quoi? Je sais pas. Je crois qu'elle est rasée, Maastricht. Non, non, elle est pas rasée, hein. Elle est encore là. Putain, par contre, Bois-le-Duc, il va me la choper. Bon, de notre côté, à nous, les gens, ça se passe plutôt pas mal, hein. Ouais, enfin, moi, ça se passe pas du tout bien. Là, on va enfin récupérer la ville de Cork. Ah, il m'a buté mon portable. Ouais, Glasgow là-bas. Glasgow, j'ai un sous-marin portugais qui vient de me foutre encore plus dans le malheur. Je vais défendre mes l'ouvrier, tu vas rester ici. Là. Je vais défendre mes frontières, moi. Ah, j'ai un général illustre. Oh, bah, toi, tu tombes bien, mon gars. Est-ce que je peux réparer les villes? Non. Ah, j'ai un missile guidé. Je peux l'envoyer où? Ah, je peux l'envoyer loin. Ah, oui, Sourd, il m'a bien fait a mal. Été reprise. Yes, les gens, yes, on a repris Cork. Ça, c'est une grande victoire, les amis. Moi, je vous le dis, hein. Du coup, qu'est-ce qu'ils m'ont fait à Cork? J'ai un atelier, une banque, une bourse, un laboratoire de recherche, un marché, une université. C'est cool! Bah, Cork, du coup, maintenant, on va te défendre, hein, parce que des remparts, genre. Genre, des remparts, c'est bien. Du coup, ils sont même pas en guerre ni rien, ça, c'est bon, ça. Du coup, là, on va vous positionner dans le coin, parce que je sens que vous allez bientôt servir contre l'Arabie. Hein, c'est un sentiment que j'ai comme ça. Toi là, tu vas te poster ici en surveillance. Hein? Voilà. C'est tendu, hein. Je dis plus rien, mais je suis concentré. Hein. Ah bah, tu m'étonnes que tu es concentré. Voilà, on vient d'exterminer la race. Barbare. Toi, du coup, tu peux retourner sur Pézance. Fortifié. Ma caravane. Alors, tu sais quoi, ma caravane? Tu vas apporter de la prod à Cardiff. Hein, ça me semble bien. Et le missile guidé, ça fait du bobo quand même, hein. Ah oui, ça fait du bobo. Bon, vu le nom. Putain, mais mon marchand illustre, il est mort, je suis dégueu. Il faut que je fasse d'autres bateaux, hein. Je suis obligé. Je vais faire un sous-marin ici. Sous-marin nucléaire, hop. Voilà. J'ai plus que 1700 d'or, faut faire attention aux finances, hein. Regarde. Je vais aller lui défoncer ces trucs et faut que mes villes se réparent parce que là c'est tendu là. Va falloir que je répare tout ça, il faut que je répare le pétrole, le set de pétrole là, mon dieu. Tout ça, faut tout que je décompte. Oh, et Bois-le-Duc a pris. Mais les Portugais ils s'y mettent aussi, sauf que les Portugais ils restent négocier la paix. Nous n'avons autre chose à faire que négocier. Bon, le japonais, tu veux toujours pas négocier la... Non, ils veulent pas, hein. Quoi, toi, tu vas protéger ici, mon ami, hein? Bon, au pire, moi, je peux tenter de les faire chier au-dessus, les Portugais, aussi, hein. Ah oui, il y a un porte-avions, là. Un porte-avions, il y a un porte-avions... Chicaniza, si elle pouvait produire des bateaux. Ah oui, il y a plein de bateaux là. Je t'annihile, là. Première chose à faire, ça, voilà. Rennes, tu vas produire de la marine, hein, mon ami. Hein. On va voir un peu comment ça se passe. Et on va pas tarder à arrêter, je suis étonné, ça marche. De quoi ça marche? Bah, tout fonctionne.
Ah bah écoute, on va enchaîner, je pense. Non, il faut que j'aille me coucher, moi, je te signale que je travaille demain aussi. Ah ouais, non, mais là, t'as déclaré la guerre, mon ami. T'as déclaré la guerre. Ah oui, non, non, quand même pas. T'as déclaré la guerre. Oh, on est sérieux, quand même. Tu as déclaré la guerre. Va falloir que tout je répare, déjà, alors, hein. Bon, espérons qu'il ait plus d'autres bombes nucléaires, mais bon. Oh, il a 10 aéronefs. Oh, il a 50 zéros. Sauf que ce con, il a que des zéros. Les zéros, c'est que des unités aériennes, on est d'accord. Ça lui sert à rien. Je sais pas. Il va sûrement reprendre sous haut, là, je crains. Là. J'ai peur. Bah déjà, Maastricht, elle a zéro. À 4 citoyens, franchement, je... Si tu la laisses comme ça, les mecs, t'as intérêt à les foutre des unités de la défendre, Maastricht. Sinon, ils vont te prendre Maastricht. Et là, oui, ils reprennent sous haut, c'est clair, net et précis. Je vais mettre une unité. Je vais mettre un destroy. Non, un. Ah non, mais tu peux rien faire là-haut. Hein. Je vais dépenser ils ont de l'argent. Un bombardier et 9-0. Est-ce que c'est plus utile un cuirassé ou un sous-marin nucléaire? Ne le mets pas dans les villes déjà, sinon tu vas te le faire bouffer en défendant la ville. Bah ouais, mais comment je fais? Il faut bien que je la défende. Bon, je le ferai. Je suis content, les gens, oui, j'ai repris ça et ça m'a réécouté. Mais comment je fais? Faut bien que je la fasse, non? Je sais pas du tout. Je peux pas te répondre, Poula. Il m'en faut un, hein, parce que là, il faut que j'aille intercepter ces trucs, là. Allez, poursuivant. J'hésite. Ah merde! Bah putain, t'as passé le... Ok, bon, c'est pas grave. Allez les amis, tour suivant, là, la tension est à son comble. Ouais. Autant j'ai repris Cork plutôt facilement, donc bon. Autant la présence de sous-marins nucléaires ici, enfin de porte-avions nucléaires me fait un petit peu. Ok, ils ont repris sous haut. Ils ont repris sous haut. Votre char a pris cher, nanana, vous avez su. Votre char a pris cher. Moi je suis encore en train de passer le tour, hein. Pour l'instant j'ai encore tout qui clignote. Du coup, je suis dans le bonheur, je gagne de l'argent. Notre infanterie a été détruite. Quoi? Oh, mais t'es sérieux, là? Oh. Putain, mais toi, je vais te défoncer. Allez. On peut bouger ici, c'est cool. Du coup, là, ils sont encore tous les deux accessibles. Oh, putain, faut que ça charge. Pour moi. Putain, il va falloir que je répare en haut. Hein. Ouais, toi, j'ai pris un missile nucléaire à Cork. Merde. Et puis un bout, hein, puis elle a un bout, un chez bout. Hein. Putain, j'ai des trucs à réparer. Hein. Bon. Faut que je repère là où c'est qu'ils ont leur missile nucléaire en fait, quand je regarde là ici. Non, mais du coup, je peux faire des routes commerciales moisies. Votre cavalerie a été détruite par l'usure. Alors, j'ai un char ici. Choc, exercice. Un sous-marin nucléaire. À mon ami. Wouah! Oh putain, regarde, les Japonais ils se ramènent! Où regarde! Ils se ramènent vers chez toi! Oh. Ah oui, d'accord, en fait ils ont déplacé la flotte vers chez toi, ok. Du coup, ils me laissent peinard là. Oula. Ouais, mon cuirassé il a pris trop cher. S'ils ont un bateau dans la ville, je peux quand même la reprendre ou pas? Oui, tu peux reprendre, oui. Je vais prendre trop cher. Je vais vraiment prendre trop cher. Bon, alors, eux. Du coup, le porte-avions, on lui dit au revoir. Ah, le croiseur, faut que je le défonce. Voilà, ça c'est fait. Dès qu'ils vont arriver, de toute façon, je vais leur balancer un missile nucléaire sur la gueule. Donc, je vais acheter un sous-marin. Quoique, un croiseur, ce serait mieux. Parce que je pourrais bombarder au. Ah putain, je sais pas. J'hésite. Un cuirassé ou un sous-marin nucléaire? Yanamu, dis-moi!
peut-être pas. Complote en secret contre Mosek Muta, j'ai partagé la conspiration avec Mosek Muta. Et l'autre, il me souhaite bonne chance dans, dans notre guerre, tu sais. Non, mais la guerre, elle est perdue d'avance, ouais, je vais quoi. Un cuirassé, c'est parti. J'essaie de reprendre Suho. Bon courage. Putain, ils ont pris cher. Oh la vache. Ouais, j'annexe la ville. Du coup, je l'ai reprise. Voilà, les Portugais. Les villes chez nous, ça s'en va et ça revient, faut pas s'inquiéter. Hein. Voilà, vous êtes informés, les gens, il faut vraiment pas s'inquiéter. Je crains. Very Swift, tu vas me faire. Il faudrait un missile nucléaire, putain. Rotterdam produit un missile nucléaire, allez hop. Arnhem. Grâce. Ouais, mais moi je peux passer le tour si je veux, hein, voilà. Par contre, le missile nucléaire sur Cork, c'est très bas de leur part, je trouve. Arnhem, tu vas me faire des bombardiers et Utrecht, missile guidé. Je trouve que le missile nucléaire sur Cork, c'est très très bas de leur part, aux Arabes. Et ton missile nucléaire. En même temps, je leur en ai mis un sur Basta. Ah ouais. Ouais, ils m'ont foutu un missile nucléaire, ouais. Putain, mais regarde la flotte qui se ramène. Putain. J'ai un sous-marin nucléaire, mais je sais pas. Bah, essaie de casser un de leurs bateaux, hein. Ouais, bah, au prochain tour, je vais essayer, ouais. Moi, quand tu vois la gueule de mon cuirassé, t'as compris, quoi. De toute façon, je les attends avec des lance-roquettes et tout. Attends, les Portugais, je vais essayer de négocier la paix. T'as vu que sur Almer aussi, t'es... Bon, en guerre contre qui, au final, là ? Non, ils veulent pas, hein, ils veulent pas faire la paix. Bon, en même temps, c'est normal, mais... vu comment c'est tendu... Attends, faut que je fasse des unités ici, hein. Ok, eux, on peut pas signer la paix. Portugal. Nos comptes sont en être réglés. Et Catherine, là aussi, on a rien à foutre avec eux. Nos comptes sont là d'être réglés. Et Théodora, pour voir, on sait jamais. Si, hein. Si, si. Non, bah non, ils veulent pas, les mecs. Hein. Allez, tour suivant. Bon, bah écoute, moi je dis tour suivant, et puis c'est le dernier tour, hein, voilà. Hein. Et au pire, hein, et Yanamu, on n'est pas obligé de gagner. Hein. Je veux dire, sur ce let's play. Hein. Si on perd, on perd. Ah, bah perd, si, hein. Si, si, attends, non, si non, on non, perd. Non, 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 non. Si on perd, c'est la honte internationale. On s'en branle, si on perd, c'est fini. C'est. Oh, sinon c'est nul, enfin je veux dire toujours c'est la honte internationale. Justement là il y a de la difficulté, attends. Oh. Ah ouais, non mais ouais, c'est clair qu'il y a de la difficulté. Les troupes ennemies ont été repérées près de Chichen Itza machin, wouah 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 wouah. Ah mais en fait viens chez toi. En se défendant, oh merde, mon sous-marin nucléaire est mort. Ah bah oui, c'est sûr. Tu veux pas leur faire des dégâts avec ton sous-marin? Bah je veux bien, mais mon sous-marin. Arrête, il est tout seul, tu vois, donc Ah, déclarer la guerre à Bismarck Moctezuma. Oh le putain, ils ont déclaré la guerre aux Allemands et tout, ils vont se battre sur deux fronts. Ah bah ouais, c'est bien, tant mieux pour eux. Ils ont les moyens, hein, voilà, voilà, voilà. Ah merde, putain, faut attendre. Ah mais j'ai repris un missile nucléaire en plus. Sur Cork. Du coup, ils m'ont totalement rasé encore deux unités. J'ai un missile guidé. Ah ici, je peux le transférer. Je vais le transférer sur le bois le duc. Putain, le portugais, comment il protège sa capitale, c'est chaud. Avec Byzance, on est en guerre ou pas? Je crois, ouais. Genghis. C'est considéré comme une unité à distance, les bazookas, on est d'accord? D'accord. Ok. Donc si je mets ce bonus couverture, normalement c'est bon. Et donc non. Ouais, je me suis fait couiller. C'est pas grave. Ah non, non, pour l'instant tu m'excuses, garçon, mais là il y a un bateau à raser, hein.
Voilà, Byzance vient de perdre un bateau. J'ai un croiseur. Je l'envoie. Putain, bon. Oh, ça va être tendu pour tenir leur flotte là au. Ah ouais, non, mais ça va être super tendu là. Ça va être plus que tendu, garçon. Moi, Cork, ils me le reprennent direct. Hein. Ils me le reprennent, mais en direct, Cork. Ils le reprennent. Même pas, j'aurai le temps de faire la muraille dedans. Hein. Si je vais faire un missile. T'as de l'or encore ou pas? 1000, je le garde si ça te dérange. Enfin, je peux pas te donner beaucoup, quoi. Ouais. Si je vais faire des missiles, en fait. Je vais essayer de full missile. Guider, ça va leur faire du dégât, là. Faut un lance-roquette ici. Putain, le bateau il a survécu quoi, tu rêves. On regarde au nord de Chichen Itza, le bateau quoi, le bateau de la mort, tu sais. Le bateau de la mort. Le survivor quoi. Où ça? Ah ouais. Ah, je peux pas les avoir moi, il a du sous-marin. Bref, ça va être chaud. Par contre, pour sa flotte, ça va être tendu, j'avoue. Oh, 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 regarde la ville de. Khurasan, la ville arabe de Khurasan. Attends deux secondes. Non mais regarde maintenant. Elle va manger un truc là, Attends, c'est où? En bas, tout en bas là. En bas. À mes frontières. C'est où? Et t'as Basra, Khurasan, ouais, vas-y. Regarde ce qu'ils ont comme unité. Ouais, vas-y. Boom, ils ont plus rien. Oh, bon, yeah. Écoute, Yannemus, ça fait une heure déjà. Bah, il faut passer le tour, du coup, on a attaqué. Ouais, hein. On passe le tour et puis. Attends, unité en attente d'ordre, c'est quoi ce délire? Ah oui, c'est eux. Bah, attends. Eux, je vais les mettre là parce qu'il faut qu'ils se soignent. Écoute, je passe le tour et on sauvegarde après. En tout cas, ça aurait été un épisode riche en action et en. Ouais, enfin là, c'est. Enfin, en. J'allais dire en erreur, mais bon, voilà, il faut bien lancer. De toute façon, ça tombe bien que les Portugais m'aient déclaré la guerre, puisqu'ils vont pas comprendre ce qui va leur arriver. De toute façon, les Japonais, il suffit juste qu'on gère leur flotte et c'est fini, quoi. Oui, bien sûr, on peut se dire ça. Pour leur faire la paix, les Portugais, c'est pareil, on leur capture 2-3 villes et voilà. Ouais, améliorer du blanc ici. Mais excuse-moi, passe le tour. J'ai mis un truc à gérer. Hein? Ah bah le mec il me dit passe le tour et il le fait pas. Ah non, je te dis, on fait signer ce tour, terminé. Bah du coup du blanc aussi toi. Ah du blanc, Cork. Ah Plaisance, tu vas améliorer Plaisance s'il te plaît. Allez, c'est où Plaisance? Putain! Plaisance, j'ai vu Plaisance passer, et là. C'est pas bon, je vais améliorer la prod de Plaisance. Voilà. Hein, on améliore les prods. Putain, encore une caravane. Quoi, qu'est-ce que j'en fous de cette caravane de merde? Je vais améliorer la prod de Nantes, toi. J'ai envie d'acheter. J'ai envie de me ruiner. Enfin, de me ruiner entre guillemets. De passer la moitié de mon budget dans un sous-marin nucléaire. Oh bah, tu peux, pour une année, hein, on est plus à ça près. Sauf qu'évidemment, le mec, il a des destroyers. Et il a des cuirassés. Donc. Enfin, des croiseurs. Non, il a des destroyers qui peuvent me voir. Et les autres sous-marins. Donc, tu crois que ça vaut le coup ou pas? Aucune idée. Franchement, je préfère faire un autre cuirassé. Hein. Allez, hop. Voilà, j'ai plus que 500 d'or. Allez, tour suivant. Je vais appeler. Hop. Brida, il va construire une ferme. Putain, j'ai 1 million de construction à lancer, mon gars. Tu me fais une bombe atomique, toi, s'il te plaît? Hein? Allez. Tour suivant, et là sur ce coup-là, on va sauvegarder les gens. Promis, on sauvegarde là, on s'arrête là. 1h10 de vidéo pour moi. Moi, ça fait moins. Et ça n'a pas bugué, mon disque dur est revenu à la raison. À la normale, bah écoute, c'est cool. Je sens que je vais perdre nos sous-marins. Je stresse là. Alors. Oh, ils m'ont repris sous eau. Oh, mais il a ramené la masse de portable. Oh là là. L'échange de l'infini. Ah ouais, non, il m'a repris chou encore. Il a ramené la masse de porte-avions, il a la masse de bateaux, c'est la merde. Il est en train de m'attaquer. Sauf que je vais le démonter, le pauvre. Mais attends, avant de le démonter, n'oublie pas qu'on sauvegarde là. Ah ouais, c'est vrai, pardon.
Oulala, il y a plein de trucs. Oh là 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 là, suspense les amis, suspense. Bon, moi j'ai réussi un tout petit peu à faire reculer leur flotte, on dirait. Faut que je reprenne sous encore. Hein. Ah ouais, ou alors tu veux, je leur envoie encore faire un tour. Non, 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 on arrête là. Allez, du coup, on espère que vous avez apprécié cet épisode riche en action et. Ah ouais, non, mais là, c'est l'action de l'infini là. Et puis donc, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime. Il y a des croiseurs lance-missiles byzantins qui sont en train de m'arriver sur la gueule, mon gars. Ouais, mais ça va être fun. Allez, ça commence à devenir marrant. Et j'ai du coup un sous-marin nucléaire qui vient de naître. Ah putain. Du coup, les gens, on espère que vous avez vraiment apprécié cet épisode. N'hésitez pas à lâcher plein de commentaires, plein de j'aime. Allez sur la chaîne de Yanamu et puis on vous dit à la prochaine. Allez, salut à tous, ciao ciao. Allez, on vous remercie en effet d'avoir suivi ce 20 et quelques épisodes de Civilization 5 où c'est que c'est la déchéance la plus totale et la plus absolue possible. On a fait très très mal à l'Arabie de notre côté, donc on est plutôt fiers de nous. Hein, voilà. L'Antouplé est en train de se faire très très mal face au Japon. Il a mangé quelques missiles nucléaires déjà. Et à mon avis, il va en manger d'autres si on regarde un petit peu. T'inquiète pas, j'ai des trucs. Allez! Ouais, clairement, il va en manger d'autres. On espère donc que cet épisode vous a clairement plu. Et nous, en tout cas, on s'est franchement régalé à le faire, à le tourner, à vous le préparer, à vous le cuisiner aux petits oignons. Là, c'est l'épisode des petits oignons. Voilà, sauce uranium, s'il vous plaît. Et donc, on vous remercie à tous. Allez, portez-vous bien, soyez heureux, ayez pas trop d'enfants. Et ciao, ciao, les gens. Ciao, ciao.